tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième journée. On est déjà à la cinquième journée. Je rappelle qu'il y aura 13 journées dans cette ligue, donc on avance vraiment quand même assez vite. Cinquième journée aujourd'hui, deux matchs de prévu. Le premier match, ce sera les Southern Barbarians face au Rugby Club. Spoiler, tout simplement la 12e contre la 14e, deux équipes qui ont besoin de victoire. Les Barbarians qui sont à 7 points en 4 matchs joués seulement, et les Rugby Club Spoiler avec 4 points seulement et toujours aucune victoire. Ils ont réussi à aller chercher des matchs nuls, mais pas de victoire du côté des Rugby Club Spoiler, donc seulement 4 points en 4 matchs. Ça fait pas lourd, les deux équipes ont vraiment besoin de gagner. On se lance de suite. Donc les Barbarians seront en blanc, les Rugby Club Spoiler seront en bleu. On laisse toujours difficile. Wake at the Stadium, on met 5 minutes et là, comme d'habitude, on regarde pas, et ça sera deux jours, et les conditions, ça sera couvert, mais pas de pluie, donc normalement ça devrait pouvoir envoyer du jeu, on l'espère en tout cas. En avant donc pour le premier match de cette cinquième journée, Barbarians face à Rugby Club Sawyer, celle qui gagne en tout cas. Je dirais que les Barbarians, s'ils gagnent, ils se retrouvent vraiment dans le ventre mou du classement. Du côté de Rugby Club Spoiler, on reviendrait à hauteur de tout le monde, juste un peu derrière. Mais voilà, une victoire pour les Spoilers, une première victoire pour les Spoilers, ils mettraient vraiment bien les équipes. Du côté des Barbarians, ce sera Sio, Marx, Kitschoff, Etzebeth, Retalix, Samu, Pocock et Vermeulen, Phipps et Pollard à la charnière, Courtley Bill, Yohanné en centre, Leroux, Koro Ibete, Ozel et Barrett Kidd. Du côté des Spoilers, Vunipola, Pelo en tour, Bourgarit, Itoje, Kovu en deuxième ligne, Keno, Messam et Vito en troisième ligne, Kerbarlo et Yaya West à la charnière, Fekito à Jordan, Ratez, Lacroix sur les ailes et Brice Dulin 15. Et c'est Rugby Club Spoiler qui va engager avec Yaya West. Voilà, alors j'ai du mal à faire un pronostic sur ce match vraiment. Donc, pardon, par contre la caméra, on va la changer. Qu'on fait, c'est aide et options, écran, caméra visuelle, on ne s'inquiète pas, angle caméra, c'est côté, voilà, et là vous allez voir que ça va aller mieux. Voilà, c'est parti. Donc allez, on essaie de récupérer de suite, on avance du côté de Kitschoff, on arrive à crocheter, on trouve Pollard et on va, est-ce qu'on va conserver cette balle? Oui, je pense qu'on va conserver. Est-ce qu'on va jouer au pied ou est-ce qu'on va tenter une relance un peu folle? Non, on va jouer au pied. Je me demande si c'est pas Guénia, Will Guénia ou Courtley Bill peut-être qui a joué au pied. Et un très beau coup de pied de Courtley Bill. Et en plus, il a attrapé le ballon en mettant le pied en touche du côté des Rugby Club Spoiler. Et là, tu te retrouves avec une touche à l'entrée de tes 22 mètres contre toi sur un petit fait de jeu tout bête. C'est dommage. Et là, on va voir si les Barbarians, qui avaient fait un très bon début de saison, puis qui ont craqué au bout à partir de la troisième journée, vont se relever. On va voir, on sait qu'ils peuvent être dangereux. Pollard, Courtley Bill qui arrive à faire la passe après contact pour Yohanné. Yohanné, oh là 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 là, il a explosé le ballon. Il a explosé le ballon au contact ou il a joué au pied, je ne sais pas. C'est Willy Leroux. Ah, c'est dommage. Alors là, on va voir le choix. Rambo 22, ouais, c'est logique. Il pouvait choisir l'en avant. Hein, vu qu'il explose le ballon au contact. Au moins c'est un en avant. Hein. Enfin, il faudrait revoir l'image pour moi s'il tape pas au pied. Hein. Pour moi il explose le ballon au contact, Willy. Allez, on retrouve le ballon, je crois que c'était Barrett. Bon, j'ai cru qu'on avait trouvé un interval, ce sera pas le cas. Et là peut-être qu'on va perdre la balle. Et oui. Et oui, on refuse de lâcher du côté de Pocock. On se fait pénaliser. Et Rugby Club Spoiler qui va pouvoir jouer au pied avec Yaya West et aller en touche. Il se retrouve autour de la ligne des 40 des Barbarians, c'est ça, même mieux, autour des 30 mètres même. Bon, attention, on a raté une première vraie occasion du côté des Barbarians. C'est le genre d'occasion où on voit que les équipes qui sont en haut du tableau, elles arrivent à concrétiser. Et ils étaient pas loin de voler ce ballon, mais les Rugby Club Spoiler vont pouvoir peut-être jouer. On se fait de suite arrêter ce mall, on n'a pas du tout réussi à avancer. Keno qui sort la balle. Ah, on trouve des intervalles, c'est pas mal. On vient réussir à plaquer, on va peut-être la gratter. Ça manque de soutien, non, on arrive à conserver. On va peut-être envoyer sur l'aile. C'est l'aile de Ratez, la fin de passe. Aïe, 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 aïe. Il faut y aller au plaquage, là, Koro Ibete qui ne plaque pas. Et les Rugby Club Spoiler qui marquent le premier essai du match.
Assez bien fait, on trouve l'intervalle. On a là, assez limite, assez limite. Ça manque de soutien au début, mais on arrive à conserver. C'est Vito qui fait la passe pour Ratez. Et une fin de passe qui fait que Corey BT pas trop bien plaqué. Yaya West pour la transformation, ça devrait être une formalité. Voilà, 7-0, on sort carrément les Barbarians du bonus défensif. Va falloir réagir et on voit là. C'est-à-dire qu'il y a eu une action de chaque côté réellement. Il y a une équipe des Barbarians qui n'arrive pas à concrétiser, qui explose le ballon à 10 mètres de la ligne. Et de l'autre côté, bah, t'as Rugby Club Thriller qui vient réussir à marquer et à concrétiser leur action de suite. Un bon court, mais malheureusement récupéré par... je ne sais qui. Peut-être Itoje. Peut-être Itoje, je crois. Je ne sais pas si... Non, non, il n'y a pas Itoje, je dis n'importe quoi. C'est... Placageau, alors pour moi, il n'était pas haut. Là je demanderais bien l'arbitrage vidéo, je peux pas revenir en arrière. Pour moi il n'y avait pas vraiment plaquage haut, mais bah, Rugby Club Thriller qui va avoir le temps. Il faut vite par contre se dépêcher de taper en touche. Oui, ils vont avoir le temps et ils vont pouvoir jouer une dernière touche et une dernière possession de balle à l'entrée des 22 mètres des Barbarians. Et peut-être faire mal. Faire mal et pourquoi pas. Pourquoi pas essayer d'aller mettre le deuxième essai. Et je rappelle que c'est deux essais de plus que l'adversaire pour avoir un bonus offensif. Allez, c'est bien récupéré. On va... C'est deux... Eh oui, attention. Et pour les Barbarians, il faut essayer de ne pas concéder d'essai, de ne pas concéder deux points dans, dans cette fin de première mi-temps. On va récupérer la balle. Non, on n'était pas loin de la récupérer, mais on n'y arrive pas. Pollard qui vient plaquer, qui renvoie dans son camp. Comme des spoilers, mais il a trouvé l'intervalle. Attention, heureusement c'est un pilier, donc ça manque de vitesse. Par contre, il arrive à faire la petite passe pour... Jérôme Queneau, on est à 4 mètres de la ligne. Rugby Club Thriller qui est pas loin de peut-être marquer. Oh là là, arrêté à 1 mètre de la ligne. Il y a quelque chose à faire là, il y a quelque chose à faire, ça peut faire mal. On arrive, on tient le coup, on va récupérer la balle. Non, toujours pas. C'est le moment de faire très mal aux Barbarians. On est à 3 mètres de la ligne. Ça martèle, ça fait un peu du pick and go là. On essaie d'aller, on n'ose pas envoyer la balle à l'aile, mais si, à force on envoie Queneau qui arrive à franchir, à marquer, laisser. Oh là 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 là, ça fait mal. Ça fait mal aux Barbarians qui se retrouvent menés à 12-0 et probablement 14-0 à la fin de cette première mi-temps. Et les Rugby Club Thriller qui prennent provisoirement le bonus offensif. Pour l'instant on sait qu'on n'a jamais eu un seul bonus offensif durant la ligue. Voilà, on va voir s'ils vont y arriver. Queneau est plutôt content de lui. Yaya West à la transformation et ça va passer. 14-0 et là c'est dur, c'est dur pour les Barbarians. Je rappelle que c'est 5 points d'écart le bonus défensif, donc il faut marquer plus d'un essai transformé pour essayer d'aller chercher un bonus défensif du côté des Barbarians dans cette seconde mi-temps. Ah, Rugby Club Thriller qui est bien dans ce match pour l'instant. Ils sont ils sont à la hauteur et là les babas qui doivent réagir très vite, très vite si on ne veut pas s'enfoncer dans les profondeurs et peut-être passer dernier du classement. Gabriel Lacroix qui arrive à trouver l'intervalle puis qui joue intelligemment au pied parce qu'il allait se faire rattraper. Boden Barrett qui récupère la balle en avant de passe selon l'arbitre. Pour moi il n'y a pas un avant de passe, mais moi c'est une petite erreur d'arbitrage. Ça c'est une passe à plat pour moi. Alors on sait qu'en France on est beaucoup pointilleux. Flexion. Côté de l'Angleterre, de la première chip, ça se siffle vraiment pas. En tout cas, une bonne mêlée. 22 mètres complètement au centre du terrain pour Rugby Club Thriller. Et pourquoi pas aller mettre un troisième essai dans ce match. En sont-ils capables? Je crois qu'aucune équipe n'a marqué 3 essais durant mon match. Donc c'est peut-être l'occasion là. Allez, on trouve Yaya West, feinte de passe. On trouve Gabriel Lacroix. Gabriel Lacroix qui essaie de rafuter Willy Leroux, mais qui ne se fera pas passer. Mais attention, on est autour des 15-20 mètres de l'embut des Barbarians. On insiste, Aura, avec proche des règles pour avoir toujours son soutien. Ça peut faire mal et s'ils arrivaient à mettre un troisième essai, ils s'assureraient presque le bonus offensif du côté des Rugby Club Thriller. Cette équipe qu'on voyait dernière quasiment depuis le début de la saison serait pas loin là de se remettre vraiment très bien. On va voir, attention, c'est peut-être le mauvais centre. Non, c'est intelligemment renvoyé après au centre. On fait un mol, on ne peut pas sortir la balle. Gabriel Lacroix qui insiste avec les gros. On va peut-être perdre la balle là. Ouais, non, on arrive à conserver. On a un problème peut-être au niveau des rugs du côté des Barbarians. Pas assez de récupération de balle à mon sens. Par contre, on arrivera à le pousser en touche. Ouf, ouf, mais le temps défile. Et pour l'instant, on est à
on est toujours à 14-0 et même ramener un bonus défensif pour les Barbarians s'annonce fort compliqué. Touche pas complètement droite, l'arbitre ne dit rien. Allez, on essaie de faire du jeu peut-être. On est déjà à la 67e minute de jeu. On comprend que le bonus défensif s'annonce très compliqué. Pollard qui va jouer au pied. Je crois que le bonus défensif est quasiment foutu. Alors quel peut être l'objectif pour les Barbarians? C'est essayer de récupérer la balle et peut-être empêcher un bonus offensif au Rugby Club Stroller. Parce que si Rugby Club Stroller prend un bonus offensif et enlève, donc empêche le bonus défensif des Babas, Rugby Club Stroller se retrouverait à 9 points au classement général. Non, si, 9 points. Pendant que les Babas, ils resteraient à 7 points. Et là, ça ferait mal. Ça ferait mal. Donc, à voir. Mais pour l'instant, Rugby Club Stroller sont en train de faire la grosse opération. Alors, c'est le premier match, c'est vrai, de la 5e journée. Mais c'est de suite, on comprend bien là, l'énorme opération qu'ils peuvent faire. Un bonus offensif. On sait que ça sera tellement rare que quand tu arrives à en ramener, ben voilà, c'est un vrai exploit. Et là, s'ils sont pas bêtes, ils doivent aller jouer en touche. On va voir, on est à la 79e minute. Est-ce qu'ils vont continuer à jouer, prendre le risque? Oui, ils sont joueurs. Non, ils sont pas joueurs. Ils vont jouer au pied. Ils ont pas pris de risque alors qu'il y avait peut-être moyen d'aller marquer un essai. Mais en tout cas, Rugby Club Stroller qui marque deux essais, donc marque un bonus offensif. Le premier bonus offensif de la saison. Deux essais à rien. 14-0, un buteur qui a été régulier, qui a passé toutes ses transformations. Et des Barbarians qui s'offrent au début de match où on a eu l'impression qu'ils allaient pouvoir être dangereux. Non, malheureusement, pas réussi à accrocher Rugby Club Stroller. Keno et Ratez aux essais. Voilà, Rugby Club Stroller à la possession. Ils ont le territoire. Passage ligne de défense 2-5. Enfin, il y a eu une vraie domination du Rugby Club Stroller. Et là, les Barbarians se retrouvent vraiment au mur. Et la prochaine journée, alors c'est vrai qu'on approche bientôt du possible transfert. Hein, je rappelle, c'est à la fin de la 7e journée qu'on pourra faire des transferts. Donc on va pouvoir vraiment essayer de gérer tout ça dans plus que deux journées pour ces équipes qui ont joué là. Il y aura des idées à mettre en place pour essayer de relancer la machine parce que là c'est vrai que du côté des Barbarians on se retrouve empêtré, on va être très probablement, c'est pas validé, mais en tout cas 13 ou 14e au classement et peut-être des écarts qui seront faits, nous verrons bien. En tout cas Rugby Club Stroller se relance, ils seront avec 9 points en général, ce qui est pas si mal que ça. Après la 5e journée ils seront relancés. Allez, on passe au deuxième match, le club sportif annonéen qui est pas si mal, qui a 9 points au général, qui est dans le ventre mou, mais autour des barragistes, ils sont le 7e, mais à égalité avec le 6e. Ils vont affronter tout simplement les Head Clubs. Les Head Clubs, c'est tout simplement les premiers au général. Les premiers au général, ça s'annonce très tendu. Là, je serais tenté de vous dire quand même, favori les Head Clubs qui nous montrent à chaque fois... de gros matchs, même si regardez, club sportif annonien ont une note légèrement supérieure, mais bon, ils sont à domicile en plus, donc nous verrons bien. Mais les Head Clubs savent que là ils peuvent vraiment se mettre vraiment très bien s'ils gagnent, alors que s'ils perdent, ben, ils reviendraient un peu tout le monde, avec ben, par exemple les clubs sportifs annonien, hein, s'ils arrivaient à gagner. Et voilà, alors on sera à Suncorp Stadium, donc toujours en difficile, on met durée de match 5 minutes et toujours pareil, on ne regarde pas. Ce sera deux jours et les conditions. Ça sera averse. La pluie va entrer. Elle va faire son apparition dans le Suncorp Stadium. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc le sportif annonais jouera en gris, les Head Clubs en blanc. Après un premier match assez intéressant où les derniers se sont vraiment relancés, sont allés chercher leur première victoire de la saison. On va voir ce qui va se passer entre deux équipes qui ont fait un début de saison tout à fait correct. Et puis voilà, on va voir. Suncorp Stadium, club sportif annonéen face au Head Club, on va voir les compos. Du côté du club sportif annonéen, Franks, Thomas Lolo, Antoron, Zarzeski, Maka et Leroy en deuxième ligne, Goujon, Barclay et Gourdon. À la troisième ligne, Payog, Bigard pour la charnière, Thompson et Thomas en centre, Davis et Fall aux ailes et Mog en 15. Je dirais qu'une petite erreur, c'est Thomas en centre, attention qu'il rate pas trop de plaquage. Duplessis, Etioki entourant McInally du côté des Head Club, Nakarawa, Whitelock pour la deuxième ligne, Harley, Lapandry, Lacafia en troisième ligne, Pinard, Jackson pour la charnière, Aki et Danti
en centre. Et je n'ai pas eu le temps de voir le reste, on a trop blablaté, on le verra en temps et en heure, je ne sais plus qui il y a. En tout cas c'est parti donc, club sportif annonay en gris, les head clubs premiers du classement, donc viennent à l'extérieur chez le club sportif annonay en jouant en blanc. Ils sont pas loin de récupérer de suite la balle dans ce premier rack, oui gros travail dans le rack. Par contre il y a un non-avant de passe pour l'arbitre, c'est dommage, c'est-à-dire que tu fais un vraiment super taf. Et là, t'as Juan Pinar qui fait un peu n'importe quoi, on va pas se le cacher. Hein. Il fait un peu comme ce qu'il fait avec Montpellier en ce début de saison. Non, c'est pas Juan Pinar, c'est le 8. C'est le 8. Flexion. C'est qui on a dit, c'est la Cafia. Je sais plus qui c'est. La Cafia ou la Panoy, je sais plus qui nous a mis. C'est vrai que sa troisième ligne, pour moi, elle est impressionnée. Pas trop du côté des clubs. Mais bon, ils sont premiers au classement général, donc on n'a pas grand chose à dire de ce côté-là. Mais je pense que c'est quand même une vraie faiblesse, la troisième ligne. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Et en tout cas, du côté des clubs sportifs annonnés, on va essayer de jouer malgré la pluie. On commence à se faire des grandes passes. Et on est à l'entrée des 22 mètres des head clubs. On a vu deux essais dans le premier match. Donc, attention, non, ça va. On récupère pas la balle. Et le club sportif annonnés qui va pouvoir jouer. Qui insiste au rat. Avantage. Voilà, il n'y a pas d'un avant de passe. Voilà, pour moi, les deux premiers en avant, vraiment, ils sont très limites. Pour moi, c'est des passes à plat. L'arbitre est un peu casse-bonbon, comme on dit. Bon, on va dire un balle au centre. Pour moi, une erreur d'arbitrage de chaque côté. Mêlée. On va bien en mettre une mêlée pour les head clubs. Donc, bon, voilà. On va dire que c'est plutôt positif. Il n'y a pas d'équipe qui s'est faite voler. Pour l'instant, en tout cas, la mêlée des head clubs qui tient le coup, qui va pouvoir conserver la balle. On va voir si leur choix va être de jouer pied ou essayer de relancer. On a l'air d'essayer de relancer, de trouver de jouer au bord des rats. Encore ils disent un avant de passe, pour moi il n'y a pas d'un avant de passe, enfin de toute façon l'avantage est là, ils vont pouvoir essayer d'en profiter. Ça va être une tentative de drop. Oh c'est court et l'avantage est passé, donc on va essayer de relancer et on va jouer au pied. Les head clubs qui s'en sortent bien, est-ce que c'est pas la chance du premier, est-ce que c'est pas la chance du leader là, parce qu'il y a un avantage, il y a vraiment. Et puis au final l'avantage il passe de suite. Est-ce qu'on fait un arrêt de volée? Oui, on ne prendra pas le risque. Et on va faire un arrêt de volée. Je ne sais absolument pas qui est ce joueur, mais c'est de toute façon Cruden. Cruden. Juan Pinar, Cruden, il est sur le terrain. Encore un en avant. Là, on va regarder, on va essayer de regarder. Je trouve l'arbitre. Alors c'est vrai qu'il pleut à verse, mais en plus il est aussi pointilleux que ça. Il n'y a pas d'en avant là, monsieur l'arbitre. Mais qu'est-ce que c'est cet arbitre là? Ah, c'est j'aime pas ces arbitres, ça me fait penser à des arbitres du top 14 qui sifflent en avant sur toutes les passes un peu au cordeau. Je déteste ça, je préfère l'avantage à l'attaque. Et là, cet arbitre, il m'énerve sur ce début de match. Et en attendant, le club sportif annonay va peut-être pouvoir en profiter. Est-ce qu'on va taper un drop? Est-ce qu'on va la jouer? On va taper un drop? Non, on tente la chandelle. Et là, attention, il y a des joueurs hors-jeu du côté du club sportif annonay. On arrive à récupérer la balle. On est à 4 mètres de la ligne. Attention, c'est avant la mi-temps. Avant la mi-temps, est-ce qu'on peut pas marquer un premier essai? Pour essayer, oui. Oh là là, non. J'ai cru qu'il allait y avoir essai. J'ai cru qu'il allait y avoir essai, mais non. On n'y arrive pas à les arrêter. Si, ça va aller à l'essai. Oui, fin de passe. On revient à l'intérieur. Et je pense que ça va être le premier essai du match pour le club sportif annonay. Et là, on va mettre peut-être un peu en difficulté les head clubs qui ont été dominés, qui n'ont rien réussi à faire. C'est Rob Thompson qui vient marquer ce premier essai. Mince, pardon, j'ai tapé le ralenti. Je suis désolé. Je croyais qu'on l'avait déjà vu une fois. On dirait que c'est la fatigue. On met ça sur le compte de la fatigue. Pas fatigué là, mais bon. Et la transformation est réussie. 7-0 à la mi-temps. Alors on sait que les head clubs ont une capacité à revenir fort, mais pour revenir fort, il va falloir qu'ils essaient de jouer, qu'ils essaient d'avoir des ballons, que l'arbitre arrête de siffler des en avant là où il n'y en a pas. Et après on pourra essayer de voir un match, mais en attendant l'arbitre est en train de nous gâcher le match. Je le dis clairement là, l'arbitre nous gâche le match alors que c'était un match que j'attendais, c'était une première journée en tout cas qui me donnait envie. C'était une première vidéo de cette cinquième journée qui me donnait envie entre deux équipes un peu dos au mur, entre les Spoilers et Barbarians, entre ce match où il y avait la première face à une équipe qui pouvait revenir à égalité avec le premier, c'était vraiment. Et là t'as l'arbitre, entre l'averse et l'arbitre, vraiment il n'y a pas de match pour l'instant, mais bon, il y a eu un premier essai malgré tout. On n'arrive pas à récupérer et on est déjà. On a du mal du côté des head clubs pour l'instant maintenant. On se méfie et là on va récupérer la balle dans ce ruck. Et est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer? Est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer? Est-ce que l'arbitre va laisser tout ça se faire? On essaie d'envoyer sur l'aile de O'Connor. Ouh, gros plaquage, il a mis la tête en touche.
Un bon plaquage de l'ailier de Benjamin Fall, je pense, sur Jamie O'Connor. Et dommage, on perd très vite la balle. Là où le club sportif annonéen, je trouve, a réussi à faire une très bonne conservation de balle qui, ok, ils n'ont pas eu du mal à concrétiser, mais à force, ils ont réussi à marquer un essai. Là, du côté des clubs, on perd un peu trop rapidement la balle et on la rentre de suite. Et donc, le club sportif annonéen, ben voilà, revient. Eux, ils conservent la balle. Alors, on va voir, hein, ils vont peut-être me faire mentir. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est... C'est deux styles de jeu différents, mais on va... Ouh, on a essayé de jouer au pied, mais on va perdre la balle. Et est-ce qu'on va réussir à en profiter? En tout cas, on va essayer. Il y a un intervalle, c'est bien joué. Allez, l'avantage est passé, il faut du monde dans le ruck. On est à 6-7 mètres de la ligne, il y a peut-être quelque chose à faire. Regardez, petit côté, s'ils arrivent à la jouer. Petit côté, non, ils l'envoient de l'autre côté, ils envoient au large. Paddy Jackson, mais on va voir, peut-être que ça peut marcher aussi. Il y a encore quelqu'un qui tente la fin de passe. Ah là 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 là, je pense que c'est le mauvais côté. Même. Ou alors, il fallait la faire à Whitelock. Paddy Jackson qui sort la balle. Mais voilà, les head clubs qui commencent à réagir enfin. Ouais, par contre, le contre-ruck du club sportif annonéen va récupérer la balle. Et là, je pense que ça va jouer au pied. Teddy Thomas qui joue, qui arrive à faire la passe. La page passe limite au cordeau, mais cette fois-ci, elle n'est pas sifflée. Jamie O'Connor qui doit plaquer. Et il y a peut-être... Allez, Benjamin Fall, il choisit le coup de pied à suivre. Je rappelle que les head clubs ne sont même pas dans le bonus défensif à l'heure actuelle. Petite... Oh là 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 là, on se retrouve en danger. On sort le ballon quand même. Oui, on arrive à... C'est mieux que concéder une mêlée à 5. Ne pas leur donner un bonus offensif, parce que si, on est peut-être dans la cinquième journée, ça y est, les équipes ont décidé de ramener des bonus offensifs, mais si les clubs sportifs annonéens gagnent avec le bonus offensif, ils doublent carrément les head clubs, alors que là, si on en restait à ce score-là, les deux équipes se retrouveraient toutes les deux à 13 points en général, donc plutôt dans le haut du tableau, évidemment. Allez, les head clubs pour essayer de voler cette balle en touche, elle est importante, pour moi c'est pas droit, mais l'arbitre ne dit rien. Et ils vont le jouer, mais est-ce qu'ils vont relancer? Il faut relancer, il faut surtout ne pas rendre la balle. Maintenant, il faut tenter la relance. Alors, au risque de se faire intercepter et concéder un bonus offensif, mais je pense qu'il faut tenter la relance. On peut encore aller chercher le match nul. Faut y croire. On s'est fait gratter la balle. Ah, ils vont jouer en touche. Ça leur suffit. Ils ont raison. Ils ramènent un bonus offensif. Une victoire, ils empêchent le bonus offensif au premier, ils gagnent à domicile face au head club, c'est un très bon résultat, les head clubs vont rentrer dans le rang un peu, toujours parmi les premiers au classement, mais ils gagnent du côté du club sportif annonéen, deux équipes qui seront donc à 13 points au général à la fin de cette cinquième journée, pendant que Rugby Club Struggler sera à 9 points et les Barbarians sera à 7 points, voilà pour les deux premiers matchs de cette cinquième journée. On voit un peu où on en est, regardez, club sportif annonéen, 68%, voilà, victoire méritée, club sportif annonéen, les S-Club ont failli réagir, ils étaient pas loin d'y arriver, mais voilà, c'est raté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour le match 3 et 4 de la 5ème journée, très vite, à bientôt, ciao ciao.